Bonjour les amis, bienvenue ce matin dans cette nouvelle séquence du jeudi 4 juillet 2024. Nous disons bonne fête Fleuron. Et nous faisons mémoire également à Sainte Élisabeth du Portugal. Avant de commencer, nous allons écouter un chant à l'Esprit Saint. Sur notre terre, le feu de ton amour est brûlant nous toujours. Viens, Esprit Saint, répand sur notre terre le feu de ton amour est brûlant nous toujours. Viens manifester ton amour. Cherchant vérité, viens nous libérer de la mort et du péché, viens nous consoler, Esprit Saint, oh viens. Viens, Esprit Saint, répand sur notre terre le feu de ton amour. Répand sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens renouveler dans la foi, la charité, tous les cieux.
lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amasias, le prêtre de Bethel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos prêche la révolte contre toi, en plein royaume d'Israël. » Le pays ne peut plus supporter tous ces discours. Car voici ce qu'il dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre. Puis Amasias dit à Amos, toi le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amasias. Je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole du Seigneur. Toi qui me dis, ne prophétise pas contre Israël. Ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien, voici ce que le Seigneur m'a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. La terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera déporté loin de sa terre. Parole du Seigneur.
décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là, pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. À la fin de la séquence, je vous souhaite de passer une journée formidable. Que Dieu vous protège et vous guide tout le long de cette semaine. On se dit à très bientôt. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé.
mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé.